Beaucoup de travail a été fait ce week-end et donc ça, on ressent une petite fatigue, mais aussi un vrai plaisir de voir les forces de proposition émerger. Je suis dans le groupe de travail se loger slash habiter. Dans notre groupe de travail, il y a des éléments qui sont développés autour de la rénovation énergétique et notamment aussi une attention particulière à lutter contre l'artificialisation des sols. J'ai bon espoir que les propositions puissent aboutir, que le travail qui est effectué va permettre un effort collectif et d'engager volontairement toutes les personnes. Interpeller aussi, puisque nous, le travail qu'on fait à la Convention nous interpelle personnellement sur notre mode de vie actuel. On se pose beaucoup de questions à chaque fois qu'on en revient entre les sessions. Les fiches mesures commencent à être sur la table et ça, c'est quand même un élément très plaisant dans notre travail, de pouvoir commencer maintenant à amender ces mesures fortes dont on souhaite qu'elles puissent aboutir. La vraie force de ce week-end a été de pouvoir faire des mesures synthétiques et avoir la possibilité d'être précis sur des sujets. La grande interrogation est de pouvoir aussi communiquer ces idées correctement et de pouvoir avec simplicité expliquer la complexité, puisque Nicolas Hulot nous a dit bienvenue dans le monde de la complexité dès le premier jour. Nicolas Hulot, c'était un vrai temps fort de ce week-end. Il nous a donné un vrai souffle de défi vis-à-vis du travail et aussi un objectif à atteindre peut-être un peu plus grand que ce qu'on pensait au départ.